Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. C'est l'interview express. C'est l'interview express, ça va être trop. Ça va bien. Yes. Ah, tu participais au... Oui. Ah, d'accord. J'étais étonné. Je suis pas habitué. Le principe est très simple. Mathieu, les filles vont te poser des questions tous azimuts. Tu as une minute chrono pour répondre à un maximum de questions. Les filles, are you ready? Yes. Oui. We are ready. Oh, c'est beau. En plus, Sarah, elle répond en français. J'adore. C'est parti pour l'interview express de Mathieu Biche. Top chrono. C'est parti. Mathieu, quel est ton pire cauchemar la veille d'un gros spectacle? Perdre ma voix. Oula. Avant de monter sur scène, tu es plutôt stressé ou détente? Plutôt stressé. Quel tour aurais-tu aimé inventer? Un tour d'un ami qui fait avec un Rubik's Cube qu'il m'a offert. D'accord. En couple ou en célibat? En couple. Des enfants? Deux. Des animaux de compagnie? Pas à la maison, non, le voisin, celui du voisin qui vient à la maison. Mathieu, pour tes conférences, tu es payé comme Sarkozy ou un tout petit peu moins? Non, beaucoup moins. Ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène, l'émission de télé, c'était fort. Après, quand j'ai été à Las Vegas, c'était impressionnant parce qu'il y avait 5000 personnes dans le casino, donc c'était cool. Et ton pire souvenir? Vas-y. Mon pire souvenir, si, c'est un gala pour enfants que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et c'était... J'avais vendu ça, j'avais dit oui, je peux le faire, je l'ai fait, je me suis fait lyncher par les gamins. Je suis sorti, j'ai dit c'est pas possible, ou j'arrête ou je recommence. J'ai bossé comme un malade pendant 3 mois. J'ai eu un deuxième gala pour les gamins, j'ai dit ok, je l'ai fait. Les gens sont sortis, m'ont salué, m'ont dit oh, c'était incroyable, les gamins étaient captivés. J'ai fermé la porte et j'ai dit plus jamais. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.